Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nana Joy Cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du riz cantonais jaune sans sauce soja. Alors cette recette est rapide, simple et surtout très très bonne. Donc si vous êtes intéressé, alors joignez-moi et regardons la vidéo. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 carottes coupées en cubes, de 2 oignons moyens coupés en cubes. Vous allez avoir besoin de votre riz jaune fait maison. Alors vous avez la recette pour ce riz, regardez dans mes vidéos précédentes. Vous allez aussi avoir besoin d'à peu près 5 œufs, de 5 gousses d'ail coupées, d'un cube de bouillon Maggi, d'oignons verts, et voilà. Vous allez aussi avoir besoin d'huile, cette fois-ci nous utilisons de l'huile d'arachide, et vous allez avoir besoin de gingembre en poudre. Je vais aussi rajouter de l'assaisonnement de poulet. Alors, dans une grande casserole, ajoutez votre huile d'arachide. Vous pouvez y rajouter à peu près 5 cuillères à soupe. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive si vous le préférez. Une fois que votre huile est chaude, vous pouvez y rajouter votre ail coupé, mélanger et laisser frire pendant à peu près 2 minutes. Ensuite, vous pouvez y frire vos œufs, comme si vous étiez en train de faire des œufs frits, et faites-en des œufs brouillés comme ceci. Et voilà, comme ceci. Vous pouvez même y rajouter un petit peu plus d'huile si vous le préférez. Et voilà, très très facile. Ensuite, vous pouvez y rajouter vos carottes et oignons coupés en dés, bien mélangés, et laisser cuire à feu doux pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, vous pouvez y rajouter vos oignons verts. Ok. Mélanger, laisser cuire pendant à peu près 1 minute. Ensuite, vous pouvez y rajouter votre gingembre, à peu près 1 cuillère à café. Ensuite, votre cube de Maggi ou autre marque. Donc ça, c'est le grand cube. Mélanger et laisser cuire pendant à peu près 2 minutes. Ensuite, vous pouvez enfin y rajouter votre riz jaune. Alors, je le répète encore une fois, vous avez déjà la recette de comment faire ce riz jaune sur ma chaîne. Donc, allez voir la recette si vous ne vous en rappelez plus. Une fois le riz rajouté, mélangez. Et vous pouvez ensuite y rajouter une bonne grosse cuillère à soupe d'assaisonnement pour poulet. Voilà, c'est très 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 simple. Ensuite, bien mélanger. Faites en sorte que vous mélangez bien, remuez bien le fond de la casserole. Laissez cuire encore 2 minutes. Et voilà, votre riz cantonais jaune sans sauce soja est prêt. Alors vous avez vu, on a mangé ça avec du bon poulet au four et c'était super. Donc j'espère que vous avez adoré regarder cette recette et j'espère vous voir très bientôt pour une nouvelle recette de Nana Joy Cuisine. Merci et à bientôt.